Hey, salut à tous les amis, c'est Ekishleish et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ce sera pour vous faire la présentation des personnages de la série Castle que je veux tourner. Donc pour faire version Schleich quoi. Donc je voulais présenter les personnages parce que je les ai déjà présentés, ceux qui étaient forcément dans la série, mais je me suis complètement trompée en fait. J'ai trouvé des Schleich beaucoup mieux pour ce tournage. Donc je vais tout de suite commencer à vous les présenter parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on va commencer avec le principal. Donc ce personnage c'est Giroy, donc qui incarnera Richard Castle, donc l'écrivain, donc le personnage principal de la série. Donc Richard Castle est un écrivain riche, qui écrit des romans policiers, et qui un jour un peu va imiter ses meurtres. Et donc il va aider la police criminelle à l'arrêter. Et vu que c'est un bon ami du maire, il va, comment dire, venir mettre son nez dans la police et tout. Puis il va venir aider à résoudre plusieurs enquêtes. Et puis, dans une saison, lui et Beckett, et ben, ils vont se mettre ensemble. Voilà. Donc, je vais pas tout vous dévoiler quand même. Voilà. Donc, pour Richard Castle. Donc, ça, c'est Beckett. Donc, le deuxième Kate Beckett, le deuxième personnage. Comment dire. Oh là là, deuxième personnage principal de cette série, donc Kate Beckett. Donc après la mort de sa mère, elle est devenue une policière au deuxième poste de police de New York. Voilà, donc elle essaie de résoudre le meurtre de sa mère et grâce à Castle, elle va y arriver. Voilà, donc je vais même leur faire des déguisements et tout pour qu'elle leur ressemble un peu plus. Genre tous leurs traits de caractéristiques, genre elle porte un collier et une montre. Je vais leur faire leur arme, leur plaque et tout ça. Je vais essayer de leur reproduire. Donc voilà. Villanelle, elle interprétera le rôle de la fille de Castle, donc Alexis. C'est une jeune lycéenne, je crois, ouais, lycéenne. Donc voilà, qui travaille bien, qui est intelligente, belle, voilà. Donc elle fera beaucoup d'apparitions dans la série, mais pas longtemps dans les épisodes, enfin. Si, mais pas non plus énormément dans les épisodes. Voilà. Donc, ça, c'est Martha. Ce sera Martha, donc la mère de Castle. Voilà, donc Martha est venue habiter chez Castle après qu'un aventurier, enfin, quelqu'un avec qui elle s'était mise, donc un aventurier lui ait volé tout son argent et tout ça. Donc, c'est une actrice. Un peu folle, tout ça. Bon, après, elle est super sympa et tout ça. Donc, voilà. Donc, elle est venue habiter chez Castle. Donc, Princesse incarnera Gina, donc une des ex-femmes de Castle, sachant qu'il en a deux. Donc, voilà. Donc, comment vous dire, on fera des apparitions dans le premier épisode, c'est son agent. Voilà, elle fera des apparitions dans quelques épisodes. Mais pas souvent, à vrai dire. Hein. Donc, Beautiful incarnera Meredith, donc l'autre ex-femme de Castle, donc la mère d'Alexis. Voilà, donc elle est carrément folle, hein. Rien à dire d'autre sur elle, on la verra une ou deux trois fois dans la série. Voilà, c'est tout. Donc ça, ce sera le père de Beckett, voilà. Le père de Beckett, donc on fera ses apparitions plus ou moins souvent dans les épisodes. Disons qu'il apparaît déjà à partir de la saison 2, je crois. Donc il apparaît pas tout de suite. Et puis il apparaît moins souvent que les autres personnages, que Martha et tout ça. Donc lui par contre je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Faudra que je voie ça, mais je crois qu'il l'appelle jamais par leur prénom en fait. Enfin lui je crois qu'il l'appelle jamais par son prénom. Sachant qu'on ne le voit pas souvent. Ensuite, Single interprétera le rôle de Kevin Ryan. Donc Kevin Ryan est un des lieutenants à la criminelle. Avec Beckett, qui Beckett elle passera capitaine, mais bon, dans un autre sujet. Lui c'est un lieutenant, voilà, normal. Il adore Beckett comme l'autre lieutenant, voilà. Après, comment vous le décrire, je peux pas, parce que voilà. Lui il apparaît tout le temps, dans tous les épisodes, dans toutes les saisons, voilà. Voilà, après, j'ai rien d'autre à dire sur lui de spécial, hein. Ah oui, il s'est marié, il a eu deux enfants, c'est tout.
Ensuite, Champion, lui, incarnera Javier Esposito. Donc, Javier Esposito est l'autre lieutenant de la criminelle. Voilà. Donc, pareil, il est attaché à Beckett. Lui, il va se mettre avec Lani, la dame de la mort, que de temps en temps. Mais pas tout le temps non plus, hein. Voilà. Donc, de temps en temps et tout ça. Puis, voilà, rien d'autre à dire de spécial sur lui. En parlant de Lani, voilà, donc pas Lani, un peu la même histoire qu'Esposito, hein. Donc c'est Lani Parrish. Voilà, donc Lani Parrish, c'est la dame de la morgue. Voilà, donc il y a quelqu'un d'autre dans la morgue. Donc il faudrait que je vous le présente aussi. Donc voilà, donc j'ai rien d'autre à ajouter sur elle. En parlant du deuxième médecin, enfin en parlant du deuxième... La deuxième personne qui exerce à la morgue, ben voilà le docteur Perlmutter. Voilà donc Perlmutter, c'est un peu dur à dire, mais voilà. Je connais pas son prénom, juste il l'appelle docteur Perlmutter. Donc me demandez pas comment ça s'écrit, je vais vous l'écrire dans la barre d'infos parce que je vais vous mettre le nom de chaque chevaux avec le nom de chaque le nom de chaque truc chouette de chaque personnage. Donc voilà, mais je ne peux pas vous dire le prénom de Perlmutter, voilà, tout simplement. Donc voilà, lui on ne connaît pas trop son histoire, juste on sait qu'il n'aime pas trop Castle. Donc le capitaine de la saison 1 jusqu'à 3, voilà, donc jusqu'à fin 3. Donc il s'appelle le capitaine Roy Montgomery. Voilà, donc Roy Montgomery a servi, enfin a sauvé Beckett, vous comprendrez plus tard. Voilà, donc il a une famille, deux, trois enfants, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, le reste vous le comprendrez dans la série. Il me reste trois personnages à vous présenter. Désolée pour les cloches, mais bon, c'est comme ça, vous savez que j'habite à côté d'une église. Voilà, donc, comment. Donc faudra bien un deuxième rem faudra un remplaçant pour Capitaine Montgomery. Donc je vous présente Loopsy. Voilà, donc Loopsy qui sera incarné qui incarnera ouais c'est la phrase ouais qui incarnera Capitaine Gates, donc Victoria Gates. Donc elle, je peux pas vous dire son sa vie. Voilà, tout ce que je sais c'est que son surnom c'est le gant de fer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le reste vous le verrez dans la série. Neo incarnera un certain Vikram. Donc voilà, donc je sais pas du tout le prénom de Vikram, ou alors son prénom, je sais pas du tout. Donc Vikram est un informaticien, je crois. Enfin, quelqu'un qui travaille sur les ordinateurs pour le FBI, vu que Beckett a fait partie du FBI et tout. Et en fait, toute l'équipe a eu un problème et du coup, Beckett et Vikram se sont rencontrés, tout ça. Et vous allez voir dans l'épisode, voilà, tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas pu être sur le terrain. Et puis, qui va être confronté à aller sur le terrain. Voilà, donc il arrive à partir de la saison 8. Et le dernier personnage aussi que j'ai à vous présenter arrive à partir de la saison 8. Donc, le dernier personnage que j'ai à vous montrer, c'est Ellie. Voilà, donc... je sais pas son nom de famille. Donc voilà. Donc c'est juste quelqu'un qui vient aider Richard Castle. Donc je vais vous montrer des photos de ces personnages maintenant. Donc voilà, donc je vous ai mis dans le noir pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà le lieutenant Kate Beckett. Voilà, donc personne quand même assez jolie, hein. Donc c'est Stana Katic, son vrai pseudo. Et je vais vous montrer les. J'ai pas le temps de vous montrer les autres, malheureusement, je vais juste vous montrer Richard Castle. Donc les voilà tous les deux. Donc Richard Castle est là. Le reste, j'ai pas le temps de vous le montrer. Peut-être que dans l'occasion, si vous voulez, je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Explosez les pouces bleus. Et abonnez-vous.